Bon, bah c'est la cata. C'est la cata, les gars. On va même pas s'énerver. Le Real qui fait un match footballistiquement magnifique. Des combinaisons, des actions de fou, un Ceballos, c'était Iniesta, Vinicius qui régalait dans sa capacité de déstabilisation, Rodrigo, des remises, des par-ci, par-là, des actions individuelles. Un match où le Real a mis une grosse pression à presser haut, la Real Sociedad et tout. Mais tu t'en sors sur un 0-0. Et tu laisses 5 points d'avance au Barça. Toi, quand tu avais, quand t'enchaînais des 8, 9, 10 matchs de victoire à la suite, Barcelone, il te laissait pas 5 points d'avance. C'est dans ces choses-là, c'est dans ces détails-là que je dis que le Barça a plus de chances de gagner la Liga. Depuis un moment même, je le dis. C'est parce que eux, ils te laissent pas les détails dans cette. Même quand ils étaient deuxièmes. Tu gagnais, tu gagnais, tu gagnais, tu gagnais, tu gagnais, tu gagnais. Ils te laissaient pas 5 points d'avance. Ils te laissaient pas. T'étais peut-être premier, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Donc, on aurait pu dire de très belles choses dans cette vidéo, dans ce débrief, voire l'un des plus beaux matchs du Real Madrid. Mais une équipe de la Real Sociedad qui, comme beaucoup en Liga. Alors certes, c'est les troisièmes, voilà, le niveau est élevé, mais le match référence défensivement de leur part, côté gardien et défensif, faut me montrer un autre match défensivement. Parce qu'offensivement, on sait qu'ils ont fait des belles choses, ils ont gagné des matchs, mais défensivement, montrez-moi un autre match aussi bien joué de la Real Sociedad cette année. C'est contre le Real et on va le faire avec toutes les équipes. Défensivement, le meilleur match machin truc, Real, 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 à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Faut en vouloir au Real de bien jouer, parce que quand le Real joue bien, le Real ne gagne pas. On en veut au Real quand il joue pas bien, mais qu'il gagne, on se dit « Ouais, mais bon, mais bon, mais bon. » Benzema, dans les trois de devant, c'est celui qui... Alors certes, il avait du ballon, hein, des remises, des petites actions, des... On l'a pas assez vu. Sur le côté, on a vu beaucoup Rodrigo, on a vu beaucoup Vinicius. Benzema, alors soit il n'a pas été assez servi, soit... Pourtant, tout allait bien. Tout allait bien dans le match, hein. Vraiment, le match, même Camavinga à gauche, alors certes, parfois défensivement, il n'a pas les réflexes de solidité dans le fait de ne pas se jeter, parce que voilà, t'as pas le droit à l'erreur dans ce poste-là, mais même lui à gauche, il a porté une vivacité, des montées de balles, des déplacements, franchement, il est intéressant, tu te dis à gauche, Camavinga, ça peut être une option. Kroos, il maîtrisait parfaitement le jeu. Défensivement, ça allait, il y a eu quelques petites occasions de la Sociedad, mais tu les as envoyés dans les cordes, tu les as mis dans les cordes, ils étaient par terre, limite, ils pouvaient rien faire. T'as fait un match, c'était du joga, joga bonito, dans le football. Mais c'est joga nulito, nulito, dans le réalisme. Parce que Vinicius, il en a beaucoup, hein. Vinicius, il en a beaucoup, il faut les mettre. Alors certes, il fait un bête de match dans la capacité d'élimination, même si sur la fin, il perd en lucidité. Mais, il fallait planter un but. C'est un joueur extraordinaire, Vinicius. Franchement, il fait un match, il sort des situations et tout. Mais ce petit but, fallait le mettre. Comme quoi, c'est peut-être le match, c'est peut-être l'un de tes plus beaux matchs qui te fera peut-être perdre la Liga. Quand je dis perdre la Liga, c'est le déclenchement qui... Enfin, je veux dire, mettez-vous à la place du Barça. La dernière fois, je vous avais dit, le Real n'a plus... Le Barça a un joker. Bon, bah, maintenant, le Real peut même... Le Barça peut même se permettre de perdre un match qu'il serait encore devant le Real. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Bah, en plus, ils vont récupérer Lewandowski. Niveau confiance, bah, ils ont 5 points d'avance. 5 points d'avance, ça peut... Quand t'es le Barça, Real et tout, c'est beaucoup. À noter que le Barça ne joue pas la Ligue des Champions. Alors certes, ils vont peut-être perdre de l'énergie contre Manchester United en Europa, mais... La Liga a l'air d'être une grosse priorité, je pense, pour eux. Et ils ont raison, parce qu'il y a de quoi la gagner cette année. Et ça va être compliqué de les voir perdre des points, hein, parce qu'ils sont en train de montrer une stabilité, ils ont récupéré leurs joueurs. Alors, ils viennent de perdre Dembélé, ça peut être un point négatif pour eux. Mais côté Real, le match était vraiment bien joué, hein. Vraiment un beau match. Hein. C'est dur de se dire que vraiment un beau match, mais le manque de petits détails, réalisme, et une équipe de la Sociedad qui a donné sa vie au point même que le coach, à un moment donné, gardait la balle, machin, et tout... Mais c'est pas une seconde, deux secondes, non, non, il la garde, il est parti aux toilettes, limite avec, quoi, le mec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, quand je suis parti en vacances, remontada, remontada, ah, il suffit que je revienne, et voilà. Le plaisir footballistique cette année, on va le mettre de côté, je crois. J'ai pas le sentiment qu'il va exister. C'est pas grave. On va essayer de kiffer un petit peu ensemble. On va essayer de trouver des trucs qui nous feront kiffer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est frustrant. Mais en plus, tu peux même pas leur tomber dessus, si ce n'est que le réalisme n'était pas là. Mais sinon, tu peux pas leur tomber dessus, ils font un bête de match.
Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est tout. C'est tout, les amis. Allez, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.